Coucou les filles, alors voilà, vous m'avez demandé donc une vidéo sur comment je range mes affaires, make-up et ma coiffeuse pour la montrer et tout, d'où elle vient, etc. Donc voilà, la voici, c'était une vue d'ensemble. Donc il y a le bureau juste ici, donc celui-là vient de chez Ikea, il m'a coûté 70 €. Le miroir vient aussi également de chez Ikea et m'a coûté 20 €. Les petits pots ici que vous pouvez voir pour mettre mes pinceaux et mes crayons viennent aussi de chez Ikea. La bougie que je fais allumer vient aussi de chez Ikea. Et voilà, je vous en dis pas plus. On va commencer tout de suite, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Avant de commencer cette vidéo, je voulais surtout vous dire que je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, et je fais aussi cette vidéo pour vous montrer, comme vous savez, que je suis une fille qui a pas mal de choses que comme vous et moi pouvons nous acheter. Donc voilà, ensuite je tiens aussi à préciser que toutes les palettes ou le maquillage que j'ai qui est de marque, je tiens à préciser que ça vient de ma grand-mère. Donc voilà, j'ai hérité, on va dire, de ça. Donc ce n'est pas moi qui ai acheté, je les ai bien reçus pour pas avoir des remarques négatives. Point de vue, ouais, mais t'as ça, t'es une bourge. Non, rien à voir, je suis pas du tout une bourge. Que malheureusement, elle est plus parmi nous. Et donc voilà, j'ai donc hérité de son maquillage. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal de choses qui est quand même de grandes marques. Moi-même, je pourrais pas me les offrir. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Pour ne pas avoir de commentaires négatifs ou méchants de la part de certaines filles. Ah oui, petite parenthèse aussi, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce maquillage, n'hésitez pas à me le dire par commentaire si ça vous plaît d'avoir ce tutoriel. Et voilà, je vous laisse regarder maintenant, bisous. Donc voilà, on va commencer par mes palettes. Tout d'abord, je suis vraiment désolée pour la lumière, enfin la luminosité. Fait un temps pourri dehors et voilà, donc je suis obligée d'allumer la lumière, c'est pour ça que ça fait une lumière un peu jaunâtre, bon bref. Donc voilà, on a mes trois palettes sleek, donc qui vient du site Coin Makeup. On a juste ici ma palette de toutes les 36 000 couleurs, je vais vous la montrer. Donc voilà, je pense que vous la connaissez. Donc elle vient du site Light in the Box. Et la palette que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est la palette Eyelip Phase, donc du site ELF. Et le rangement palette que vous pouvez voir ici vient aussi également du site Coin Makeup. Donc voilà, assez pratique pour ranger toutes ces palettes. Ensuite, on va passer au petit pot à rangement pour pinceaux et pour crayons. Donc comme je vous l'ai dit, ça vient de chez Ikea, je trouve ça assez joli comme rangement. Et voilà, de toute façon vous les avez vus dans certaines vidéos de certaines youtubeuses assez connues. Voilà, je vous les présente plus. Donc là ce sont tous mes pinceaux pour les yeux, là ce sont tous mes pinceaux pour le teint, et là ce sont tous mes pinceaux pour les crayons, donc sourcils, pour les yeux, pour les lèvres, etc. Ensuite on va passer à mes parfums. Donc j'ai voulu placer 4 parfums que j'utilise beaucoup. Donc voilà, je trouvais que ça faisait sympa et ça faisait joli. Donc voilà, je vous le présente. Donc celui-là c'est un parfum de chez Yves Rocher, c'est le Flower Party by Night. Et je le trouvais assez mignon et il sent vraiment vraiment super super bon. Donc
C'est un parfum assez sucré. Donc pour celles qui n'aiment pas le sucré, je ne vous le conseille pas. Alors ensuite, j'ai celui-là. Donc c'est aussi de chez Yves Rocher. C'est la Rose Fraîche. Donc un basique de chez Yves Rocher. Celui-là, c'est plus... je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. C'est une odeur plus fraîche en fait. Et voilà, je l'adore. J'adore le mettre. Voilà, je l'adore tout simplement. Et il ne coûte pas trop cher chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai celui-là. Donc celui-là, c'est mon Yves Saint Laurent. Il sent vraiment super, super, super bon. C'est dommage que par la caméra, on ne peut pas vous faire sentir. Mais il est vraiment trop, 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 trop bon. Alors celui-là, c'est de chez Réserve Naturelle. De chez Réserve Naturelle. Donc il sent la vanille. Il a une odeur vraiment très imposante, très forte. Donc pour celles qui n'aiment pas ça, je ne vous le conseille pas parce que son odeur est vraiment très, très, très forte. Et ça sent vraiment très fort la vanille. Mais moi, j'adore ça. Et j'adore le porter aussi, mais pas tous les jours évidemment parce que ça monte vite au nez. Et donc voilà. Ensuite, on va passer à cette petite caisse. Donc ça, je l'ai eu chez Blocker. Ce petit rangement-là, je l'ai eu chez Blocker à 2 euros, il me semble. Donc je le trouvais assez sympa. Et donc j'ai rangé là-dedans tous mes produits pour laver les pinceaux. Donc on a le spray Makeup Forever pour laver les pinceaux. Là j'ai un pour laver mes éponges. Oui parce que avant je faisais de l'esthétique et donc j'avais un truc pour nettoyer les éponges. Bon maintenant il me sert plus trop. Mais je peux l'utiliser aussi également pour mes pinceaux par exemple à fond de teint. C'est une bonne alternative. Ensuite, donc ici, j'ai tout ce qui est alcool, eau oxygénée. Ici, c'est tout ce qui est Enfin, j'utilise pas vraiment ça. C'était aussi pour l'esthétique, mais j'utilise pas des pinceaux pour les yeux, mais j'utilise pas ce genre de pinceau-là. Donc voilà. Ensuite, ici, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos. Donc je pense que c'était un big haul ou un truc comme ça de novembre. Et donc ce petit rangement-là vient de chez Maison du Monde. Donc voilà, c'est avec des cupcakes, des macarons, enfin bref. Et donc c'est là-dedans, j'ai rangé mes cotons. Comme vous pouvez le voir, mes cotons pour me démaquiller. Ici, j'ai mis des cotons-tiges. Ça sert toujours pour au cas où si j'ai fait une rature. Ici, j'ai mis pas grand-chose. J'ai mis des pinceaux comme ça que j'utilise. Enfin, le LF, je l'utilise assez souvent, mais le reste, non. Et un taille-crayon. Je savais pas quoi mettre, alors j'ai mis ça. Et le dernier, j'ai mis tout ce qui est baume à lèvres et pince pour recourber les cils. Voilà. Donc, ma bougie vient de chez IKEA. Donc c'est vraiment une très très grosse bougie. Comme vous pouvez le voir, elle a bien brûlé. Et elle sent trop trop bon. Elle sent la vanille. Donc voilà, foncez pour les bougies parce que chez IKEA parce qu'elles sont vraiment vraiment très bien. Et elles sentent vraiment trop trop bon. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, c'est ma boîte à mouchoirs qui est un peu pétée, vous voyez. Donc une boîte à mouchoirs, on en a toujours besoin. Et ici, ce sont tout ce qui est échantillons, par exemple fond de teint, parfum, crème, etc. Donc voilà, comme je les ai toujours à portée de main. Donc voilà mon tiroir. Ça, ce bac-là, c'est un rangement à couvert qui vient toujours de chez IKEA. Ça, les petits bacs comme ça vient de chez Blocker. Et donc dans celui-là, j'ai voulu mettre tous mes highlighters. Donc voilà, j'ai du MAC, j'ai du ELF, Luminel. Ici c'est Bourjois, lèvres et j'ai mis mon fond de teint Fit Me. Je l'ai mis là parce que c'est quand même pour moi un fond de teint lumineux. Donc voilà, je l'ai mis là et parce que aussi je m'en sers un peu tous les jours. Donc voilà. Ensuite ici c'est tout ce qui est fond de teint anti-cerne. Donc j'ai
Ici c'est quoi? C'est du Je mets Maybelline. Ici c'est du NYX. Ah oui, aussi ma base à paupières NYX. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais bref. Mon anti-cerne Fit Me. Ici c'est ma bébé crème de chez Transparent Clinique. Donc je vous en ai beaucoup parlé. Mon fond de teint Emma. Encore quoi d'autre? Ici c'est une bébé crème de chez Yves Rocher. Mon correcteur ELF, vous voyez, en stick. Ici c'est une base correctrice verte pour les rougeurs de chez Emma. Voilà, anti-cerne de chez Emma. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai pour le fond de teint. Ensuite, ici, ce sont tous mes blushs Milani. Bon, j'en ai que 3, mais je pense l'agrandir. Donc voilà, j'ai le... Celle-ci, c'est la rose d'Oro. J'ai la Carolina. Donc la rose d'Oro. Et ici, c'est la Berry Amor. Donc voilà, j'en ai 3. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est blush. Donc, ici, j'ai un blush de chez Yves Rocher, un blush de chez ELF, un blush de chez Sisley, un blush de chez Estée Lauder, enfin, bref, et un autre blush de chez Lancôme. Donc voilà, c'est tout pour mes blushs. Ensuite ici, c'est de nouveau les fonds de teint, mais plus les fonds de teint, je dirais compacts, à part deux qui en a un liquide, mais sinon le reste c'est des fonds de teint compacts. Donc j'ai Luminel, j'ai de L'Oréal, j'ai encore deux Luminel, un ici et un ici. Ensuite, j'ai un ici de L'Oréal. Donc celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Bof, il est bof, hein. Je l'ai bien entamé, mais voilà. Il est trop orangé, j'aime pas. Ici, c'est un fond de teint de chez Shiseido. Donc voilà. Que j'utilise pas beaucoup parce qu'il est trop foncé. Ensuite ici une miniature de fond de teint de chez Estée Lauder. Voilà. Un fond de teint Emma Mousse. Oups, mousse, voilà, que ouais, bof. Il est de nouveau trop foncé. Et un fond de teint Nivea, donc liquide, que j'aime pas beaucoup. Mais voilà. Ah, ici c'est un fond de teint Clinique. Aussi foncé, donc voilà, je n'utilise pas vraiment ces fonds de teint là. Ensuite ici on va passer à mes poudres libres. Donc j'ai la poudre libre de Lancôme, c'est ça, ouais, de Lancôme. Donc celle que j'en parle tout le temps dans toutes mes vidéos. Ensuite j'ai la poudre libre de chez Yves Rocher, la Luminelle. Ensuite, j'ai celle de chez ELF, donc c'est teint zéro défaut, un truc du genre. Voilà, elle matifie très 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 bien. Et ensuite, j'ai ma poudre de définition de chez ELF, mais je ne l'utilise pas celle-là parce qu'elle est pailletée. J'ai pris la mauvaise et j'en regrette. Enfin bon. Ensuite, ici, on a tout ce qui est bronzer. Ouais, tout ce qui est bronzer. Donc on a la Cool Bronzer de chez ELF, donc celle-là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai ma terre indienne que je vous en parle énormément dans mes vidéos. Elle commence à se creuser, enfin elle est creusée, vous allez me dire, mais il faudra vraiment que je la termine. Ensuite, j'ai ma correct contouring blush donc de chez ELF, donc voilà. Vous connaissez aussi, j'ai ma palette Kiko donc de chez Kiko, donc ma bronzer avec un blush, un contouring, enfin un bronzer et un highlight, mais bon, j'utiliserai plus pour bronzer en été, en hiver, pardon. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je parle trop. J'ai ma
palette Christian Dior, donc de chez Dior. Donc ça c'est un blush, ça c'est un bronzer et un highlighter. Hop. Ensuite j'ai ça c'est une poudre compacte, mais je crois qu'elle est un peu trop foncée pour ma peau. Donc voilà, c'est Fashion Makeup. Donc celui-là de chez ELF, celui-là de chez Park Avenue et celui-là de chez Biss. Donc voilà, avec des petites poules comme ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout pour mes bronzers. Ensuite, derrière, comme vous voyez ici, c'est tout ce qui est fossile. Donc colle à fossile ici de Duo. Voilà. Ici, j'ai 5 boîtes de... 5 boîtes de fossiles de chez ELF. Ils sont vraiment très très bien. Alors foncez les filles, foncez vraiment parce que... Oh, je vais y arriver, oui. Ils sont vraiment vraiment très 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 bien. Donc voilà. Ensuite c'est tout ce qui est éponge pour fond de teint, vous voyez, qui est encore à laver mais j'utilise pas. Bref, ensuite c'est du brol, c'est encore des pinceaux ici mais que j'utilise pas. Voilà. Ici il y a mes palettes. Donc il y a ma palette de blush de chez Light in the Box, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà. Il y a ma palette aussi de Light in the Box, mais la palette neutre. Oups. La palette des tons neutres. Voilà. Et il y a une palette que j'avais achetée chez Dee. Donc pour les Françaises ou les ceux qui habitent en Suisse, je crois que vous connaissez pas Dee, mais c'est un magasin où il y a plein de trucs cosmétiques. Et donc voilà, je la trouve très très bien cette palette. Les couleurs sont très pigmentées. Et voilà, le seul truc c'est que j'ai cassé la palette, mais bon bref. Donc voilà, le deuxième tiroir, donc c'est de nouveau les boîtes de rangement pour les couverts de chez Ikea. Donc je crois que j'ai payé ça 2€ pièce ou 1,50€ pièce. Donc voilà, très pratique. Et en fait ils sont vraiment très très longs. Donc comme vous pouvez le voir, oups, il y a encore hein, derrière. Mais on va d'abord présenter le devant. Donc ici ce sont tous mes rouges à lèvres, donc de chez ELF. Donc j'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 couleurs. Et la pigmentation est vraiment très 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 bonne. Donc ensuite ici j'ai mes rouges à lèvres minérales, donc de chez ELF. Donc voilà, aussi très 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 bonne pigmentation. Voilà, j'en ai 5 avec un qui est dedans. Mais ceux-là c'est ceux que j'utilise le moins. Et j'avais rajouté dedans un baume à lèvres, donc de chez Attirance. Que j'aime énormément. Il hydrate vraiment très 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 bien les lèvres. Donc j'avais fait une vidéo spéciale Attirance, donc un haul spécial Attirance de la marque Attirance quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de vues et je suis assez déçue parce que c'est vraiment une très bonne marque, je trouve. Que les produits sont vraiment de qualité. J'ai pas été déçue. Donc voilà, de toute façon je vous ferai très prochainement une revue dessus pour vous en parler des produits. Ensuite ici c'est tout ce qui est gloss. Donc il y a Yves Rocher, NYX, donc Yves Rocher, Yves Rocher, Yves Rocher. Ici c'est de chez... Je ne sais même pas, je sais qui, enfin bref, un gloss. Ici c'est celui-là de chez ELF, donc les fameux gloss que je ne vous conseille pas. En tout cas pas cette couleur, donc la couleur c'est In The Nude. Je ne vous conseille absolument pas, il ne marque rien du tout sur les lèvres. Ensuite j'ai des gloss donc de chez NYX, deux que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Mes gloss de chez ELF, donc tout ça c'est essentiellement les gloss de chez ELF. Donc on a ceux-là, les comme ça, et on a les comme ceci. Voilà. Donc voilà, pigmentation bof. Et
Voilà, ceux-là, oups, je sais pas si voilà. Ceux-là, ils piquent vraiment les lèvres à cause de la menthe qu'il y a pour faire un effet repulpant. Donc ça peut gêner certaines. Et sinon, voilà, la pigmentation est pas vraiment top, top, top. Ensuite, ici, c'est ma place spéciale rouge à lèvres favori. Donc, je vais vous montrer ma petite dernière. C'est ma merveille, la petite merveille que j'ai achetée hier. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le Fuchsia Flash de Color Sensational. Donc, de chez Maybelline. Et la couleur est vraiment, vraiment top. Je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est vraiment, vraiment top. De toute façon, je vous ferai une photo. Je mettrai sur Instagram. Ça, c'est d'office. Et voilà. Donc, voilà, cette là. Il y a le Kiko. Donc, celui-là, c'est le 517 de chez Kiko. Donc, un merveilleux rose bien flash comme j'aime. En été, il est vraiment trop beau. Ici, il y a mon lip butter de chez Revlon. Donc, le Cupcake. Qui est aussi un beau, beau, beau rose. Ensuite, il y a mon préféré de chez préféré que je l'ai racheté et racheté et racheté. C'est donc le numéro 140, le Joyce Bubblegum de chez Color Sensational aussi, de chez donc Je mets Maybelline. Et c'est un beau, beau rose. Il est ni trop flash, ni trop foncé pour moi. Et je l'adore. Il hydrate vraiment très, 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 très bien les lèvres. Vous avez vraiment les lèvres douces. Voilà, donc ici c'est un rouge à lèvres minéral donc de chez LF, c'est le nude que j'aime bien le porter celui-là aussi. Celui-là c'est le Giorgio Armani, non ce n'est pas un Armani, c'est le Gio de Giovanni, donc voilà, c'est aussi un beau rose, donc comme vous l'avez constaté, moi j'adore le rose pour les lèvres. Ici, nous avons le MAC, le Crème Cup. Donc, voilà, qui est plutôt un nude. Ensuite, on a le deuxième MAC. Donc, c'est le Snob et qui est plus un rosé. Voilà. Ici, on a le Fashion Makeup. Donc, le numéro, c'est le numéro 4, il me semble. 3. Le numéro 3, et c'est un magnifique, magnifique mot. Je l'adore, celui-là aussi. J'avais mis une photo sur Instagram et il a été beaucoup sollicité. Donc ensuite, on a tous mes Jumbo ELF de la gamme Matte. Donc de la gamme Studio, pardon, les Matte, qui se présentent comme ceci, qui est comme des crayons. Voilà. Et ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc, de toute façon, si vous voulez une vidéo sur quelque chose que vous avez vu dans cette vidéo, donc un rouge à lèvres, par exemple, ou une palette, ou enfin n'importe quoi, dites-le moi et je ferai avec plaisir cette vidéo. Et ensuite, tout au fond, donc. Le fameux celui-là, le fameux tiroir qu'on ne voit pas, donc c'est ceux que je mets le moins. Donc on a le Emma, on a du NYX, on a du c'est quoi ça, on a du Astor, on a du Yves Rocher, on a du Parc Avenue, du L'Oréal, du Max Factor, du ELF. Voilà, on a un peu plein de trucs ici. Ici, c'est quoi? C'est du bis. Voilà, bis. Regardez cette couleur de dingue. Un truc de fou. Regardez cette couleur de dingue. Elle est juste magnifique. Et donc, voilà. Donc, ici, c'est toutes mes mini palettes. Donc, de chez les Quattro de chez ELF. Donc voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Voilà. C'est juste les mini palettes. Elles sont top. Il y a certains qui ne marquent pas. Il y en a d'autres qui marquent très bien. Donc voilà. C'est mitigé comme avis. Et voilà.
Ensuite ici j'ai ma palette de chez Clarins. Donc voilà, une palette de Clarins. Oh, je vais enlever en attendant. L'autre palette Clarins toujours, donc dans les mauves et les roses. Et une autre palette Clarins, donc dans les roses et les marrons. Ensuite, ici, c'est tous mes highlighters Lancôme. Donc voilà, j'ai un highlighter Lancôme dans les tons roses. Un autre aussi, je crois que c'est le même. Ici c'est dans les tons pêche, il a bien été utilisé. Ensuite ça je crois que c'est pas un highlighter celui-là, ouais. Non, ça c'est une ombre à paupières, voilà, brun. Et là c'est un duo, donc mauve et dans les tons mauve. Ensuite ici on a un jeu d'ombre, donc ça c'est plus dans les argentés et dans le vert kaki comme ça, voilà. Donc ça c'est de Lancôme et celui-là c'est aussi Lancôme, et voilà, c'est plus dans les bruns et roses, voilà. On a tout, mes mascaras et mes eyeliners. Donc on a un peu de tout, on a du bis ou du bice, enfin c'est comme vous voulez. On a, donc ça c'est un eyeliner de chez L'Oréal, un mascara de chez Clinique, un autre mascara de chez Clinique, mon mascara préféré de tous les temps de chez Scandal Ace de chez Rimmel, un eyeliner gel donc de chez ELF, il est vraiment top, sauf que il sèche vraiment très 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 vite, et ça c'est un petit bémol, mais moi je sais toujours l'utiliser de toute façon, même si en fait il est pas vraiment sec, parce que quand vous l'appliquez sur donc sur l'œil, il n'est pas sec du tout, il est très glissant et tout, mais en fait c'est le contour, je sais pas si vous me comprenez, c'est la face à l'extérieur en fait qui est un peu sec comme ça, et vous touillez dedans et c'est reparti. Il est vraiment, enfin moi je l'aime bien, enfin je sais pas si vous m'avez comprise. Alors ici c'est un kohl donc qui vient du Maroc, donc c'est une amie à ma mère qui m'avait donné ça, et c'est vraiment vraiment très bien celui-là. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre, donc encore un mascara de chez Nivea, on a un mascara donc duo de chez ELF, donc ici c'est tout mes fards à paupières duo, mono, enfin un peu de tout. Donc ici on a du rock, voilà c'est du rose. Ici on a mon Quattro Bis, donc j'avais déjà fait un tuto dessus, voilà. Ici on a, je sais même pas c'est quoi, phase, une marque, enfin, je sais même pas si c'est une marque, bref, un gris comme ça. On a un effet lumière de chez Bourjois, donc qui se présente comme ça dans les tons kaki. Ici j'ai une poudre, c'est la marque Cosmode, donc mauve, donc comme ça, qui se présente avec un petit embout comme ça dans les tons mauve irisé. Ensuite on a un mono de chez Luminel, donc Yves Rocher, hop, un mauve sublime. On a de nouveau un kaki de la marque, je ne sais pas, Charlie, je sais pas, voilà. On a un autre kaki de chez Revlon. Hop, voilà. On a couleur pêche, couleur peau de chez Yves Saint Laurent. On a un noir de chez Peggy Sage. Enfin, voilà, à peu près. C'est à peu près tout. Donc ensuite ici on a tout ce qui est aussi ombre à paupières, un peu de toutes les marques. Donc ici j'ai des mousses d'ombre à paupières de chez Emma, donc j'en ai en vert sapin,
J'en ai en brun, j'en ai en beige et j'en ai en mauve. Voilà. Donc ensuite ici j'ai un eyeliner bleu et un eyeliner brun de chez Estée Lauder. Ici de chez Sisley, ouais. J'ai un duo d'ombre à paupières donc brun et beige. Ici j'ai du Elizabeth Arden donc dans les tons mauve. Ensuite j'ai du donc de nouveau Elizabeth Arden, hop comme ça. J'ai voilà, c'est du du Estée Lauder. Voilà, c'est tout pour les ombres à paupières. Et ensuite, derrière, donc il faut que j'enlève ça. Et on a de nouveau, ici donc, ce sont tous mes jumbo, donc il y a du ELF, il y a du Emma et il y a du Je m'aime Maybelline. Donc voilà, ici je vais pas ouvrir ces deux poudres pour le corps, donc pailletées. Ensuite ici donc c'est de nouveau des trio, des quattro, Chanel. Ici c'est, je sais même pas quelle marque, c'est du, enfin bref. Ça c'est Fashion Makeup, donc tout ce que je vous avais présenté dans la vidéo Fashion Makeup. Donc voilà, c'est tout mes petites palettes, donc que vous connaissez certainement. Voilà. Donc voilà les filles, c'est terminé. Donc désolée de m'avoir vite dépêchée à la fin, c'est parce que ma batterie va me lâcher dans quelques secondes. Que dire de plus aussi, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voulez un tutoriel, une revue ou quoi que ce soit sur un des produits que je vous ai montré, n'hésitez pas à me dire par commentaire. Donc si vous voulez me mettre par contre un commentaire dans la vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter dans vos cercles d'amis, parce que Google+, enfin YouTube c'est associé à Google+, et donc ça fait tout un bazar pour les youtubeuses qui énervent pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à m'ajouter dans vos cercles de Google+ ou un truc comme ça, donc pour que je puisse vous répondre, sinon je ne pourrais pas vous répondre. Et voilà, ne pensez pas que je vous nie, si je ne sais pas vous répondre c'est parce que vous m'avez pas ajouté dans vos cercles pour Google+. Bref, petite parenthèse. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous fais de très 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 gros bisous. À la prochaine les filles. Mouah.